Mesdames et messieurs, vous conviendrez avec moi que nombreux sont les défis que nous devons relever ensemble afin de répondre efficacement aux aspirations fort légitimes des populations. La souveraineté alimentaire, vous connaissez... Ça, c'est un sérieux problème dans le pays. Ça, c'est un sérieux problème dans notre pays. La souveraineté alimentaire. Ça, c'est un sérieux problème. Je ne sais pas comment ça se fait qu'un pays comme le Sénégal, on n'arrive pas à atteindre à l'autosuffisance alimentaire, en fait. Comment ça se fait, monsieur le président? Attention à ma commandement! Pas de sémapoutisté! Chacun d'alliés sont quelqu'un! Accélérons! Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers! Moi, je pense que jusqu'à maintenant, on peut continuer à importer nos denrées de première nécessité. Ou bien, car ça fait longtemps, on a l'habitude maintenant, on est habitué à ça. Nous ne pouvons plus continuer à importer nos denrées de première nécessité. Continuer à dépendre des importations pour nous nourrir, c'est nous exposer. Si on atteint l'objectif en autosuffisance alimentaire, mais et en autosuffisance énergétique, comment ça se fait? Car ça aussi, c'est un sérieux problème dans le pays. Il y a plein de gens qui n'ont pas accès jusqu'à maintenant à l'électricité en 2020. Et on nous parle aussi du Sénégal émergence. L'autosuffisance en énergie. Beaucoup d'actions sont engagées dans le cadre du partenariat public-privé et le développement de la production indépendante, mais aussi la régulation du secteur de l'énergie permettra dans un avenir très proche d'assurer l'autosuffisance en énergie, mais surtout en énergie à bon marché. La question... Ah ouais. Même celui qui a guéri. Moi, je suis pas guéri. Moi, je suis du gars de Molo, je m'en fous. Ah, grimpé. Ah. Djilani, commune située à 65 km de Goudiri. Des fois, nous devons mettre trop, parce qu'on a l'idée de vous parler, quoi. Le montant, des fois, nous devons mettre quoi. Maintenant, mettons. Des fois, nous devons mettre quoi. C'est difficile. Ah. Les femmes de Djilani ont utilisé les semences de fognon à cycle court. Il faudra juste attendre 2 mois, 10 jours pour pouvoir récolter. Je suis obligée de louer un tracteur pour labourer mon champ. C'est pareil pour toutes les femmes à Djilani. Ici, les terres sont disponibles. Il ne nous manque que des tracteurs pour emblaver plus de 100 hectares de terre. Elles sont obligées de payer les tracteurs là pour cultiver leur sang. Leur sang de fognon ou sang de maïs ou sang d'arachide. Ils sont obligés de payer les tracteurs. Pourquoi la sécurité? Pourquoi ils sont ici? C'est pour nous? Il y a mon lait qui est là. Quand on va même bouger, c'est président Macky Sall qui est là. Voilà, vous avez entendu, même si on atteint l'autosuffisance alimentaire, le reste qu'on va vendre là. C'est aussi à votre intérêt. C'est aussi à votre intérêt, car c'est vous qui dirigez le pays actuellement. Oui.